Bonsoir à tous et bienvenue sur Resident Evil Village pour la suite de l'aventure avec le magicien Ethan Winters qui a encore perdu sa main. Mais rassurez-vous, il l'a récupéré. Ah oui, et le mec, il met un peu de produit. Hop, plouf, patafix. Magnifique, on est reparti pour un tour. J'ai adoré. Allez, on continue, on a récupéré le fusil de précision, nous sommes dans le grenier. Et là, on va sortir à l'extérieur. Oula. Ah ouais, carrément. Arrêtez-vous. Restez immobile. Ouh, tiens, j'en ai une par là. Cadeau. Qu'est-ce qu'elle y est passée? Par contre, est-ce que je peux faire un peu de bruit? Je pense que j'ai alerté les frérots, là. Attention. Bon, on va avancer pour l'instant. Je vais rester avec mon pistolet parce que je suis quand même bien équipé. J'ai beaucoup de cartouches. Par contre, j'ai peur qu'elles arrivent, là. Ouais, on va se méfier. Alors, on avait récupéré une carte d'emplacement concernant un trésor, faudra s'en occuper. Mine sans l'œil. Ah bien. Attends, mais c'est ce que m'a rapporté le monstre? Je crois bien. Attention. Ça fait du bruit à mon avis. Ils m'ont peut-être vu. Tiens, je vais récupérer le contenu ici. Ça rôde au-dessus, j'aime pas du tout. Je suis pas rassuré. De la ferraille, nickel. Puis la musique, c'est vrai, faut un petit peu la pression. Hein. Là, on doit être un petit peu à l'abri, je pense. Pas du tout. On n'est pas là-bas du tout. Ok. Calme-toi. Le pompe. Sors le peupon. Prends ça. Alors. D'accord. Ah oui, ils sont costauds quand même. Tu restes là. C'est bon, t'as eu ton compte? Je pense bien. Allez, souffre en silence. Fluide chimique. Super. Le peupon qui est quand même toujours autant utile. Par contre, c'est vrai que chaque cartouche... Il me semble que ça vaut 1000 balles, donc essayons de les économiser. Munitions de pistolet. J'ai plus que 4 munitions de bombe. Mon dieu. En même temps, si je tue ces gargouilles au pistolet, bah bonjour, hein, ça va mettre 3 ans et demi. C'est un ascenseur, ça? Ah ouais. D'accord. Eh bah écoute, on va peut-être en profiter pour retourner justement voir le vendeur, voir le marchand, parce que j'ai compris effectivement ce qu'il fallait mettre pour l'énigme du petit château. Donc on va y aller tout de suite. Allez, pourquoi pas. Et on s'occupera du reste des gargouilles ensuite. Hein. J'aimerais bien également aller récupérer le trésor qu'on avait vu. Alors qu'il doit être au niveau moins 1 normalement. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais. On avait eu une petite carte au trésor, vous. Vous vous souvenez? À la fin du dernier épisode. Donc on va essayer d'aller trouver ça. C'est important vraiment. Hein, d'aller se stuffer, d'aller récupérer tous les objets possibles. Ça va forcément nous aider pour la suite de l'aventure. Et alors je vous l'ai pas dit, mais j'ai fait quelques modifications côté luminosité. J'espère que ça ira mieux pour vous. Normalement, c'est quand même moins sombre, tout en gardant quand même la couleur qui correspond au jeu, parce que c'est un jeu qui reste sombre, attention. Mais je pense que ça ira un peu mieux comme ça. Oh non. Viens ici. Oh non. J'aime pas du tout cette musique. Je vais tout de suite me planquer. Grâce à votre soutien sans faille, je propose de nouveaux services. Ah, on va voir ce que tu nous proposes, maman toute chose. On avait ici le petit château. Ah bah attends, c'est pas ça qu'on va débloquer ensuite? Ah bah sûrement. Alors interagir, on avait récupéré une boule, fleur et épée, une boule métallique décorée d'un emblème représentant une fleur et des épées. Ouais, c'est bien ça. Ok, alors incliné. D'accord, cool. Vous êtes occupé. Effectivement, là je suis un petit peu occupé, tu comprends. Tourne à gauche, tourne à droite. Ah mais en fait c'est Captain Toad. Oh j'adore. Allez, roule ma boule. D'accord. Attends, je suis pas prêt. Ok, maintenant. J'ai compris. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Retourne de l'autre côté. Ah d'accord. Faut que l'incliner comme ça. Oh putain, il y a des trous. Attends. Il y a des trous. Je suis tombé. Mais non. Mais c'est quoi le but? Faut aller où là? Ah, faut aller effectivement jusqu'au drapeau. Ah, c'est tendu, hein. Ok. Alors, autant le début, ça va. Tout le long, ça va. Mais c'est juste sur la fin, quoi. Faut éviter les trous, c'est pas si évident. Faut penser à chaque fois à tourner. Vas-y. Dommage. Voilà, je me demande si on peut réellement tomber, en vrai. Je suis pas convaincu. Ok, mais je prends pas le risque, hein, cela dit. Par contre, c'est un peu casse-bonbon. Parce que, regardez, on tourne, mais on voit pas beaucoup au-dessus, en fait. J'ai failli tomber directement, c'est incroyable. Ah, faut le faire tourner autour, peut-être. Ah, c'est ça l'idée. Ouais, faut le faire tourner. J'ai compris. Yes. Fallait faire le tour.
Ok, et voilà petit succès, boule aux œufs d'or. Résoudre un labyrinthe. Ah, parce qu'il y en a plusieurs, génial. Donc j'ai récupéré un crâne cramoisi. Ouh, il est spécial celui-là, à mon avis, il va nous rapporter du pogne. Alors voyons voir. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Alors, oui, vas-y, oui, oui. Buste cristallisé, 5000. Ok. Ah, et 8000 celui qu'on vient de récupérer, ah ouais, c'est énorme. Là, franchement, ça fait plaisir. Allez, je vends tout ça, n'oublions pas qu'on a un crochet aussi. N'oublions pas qu'on a un crochet, faudra aussi voir les... Pas les anges, mais les masques, où c'est qu'on va les placer, je pense que c'est sur les trucs blancs dans le hall. Alors, j'ai combien? 19000? Bien. Je vais pouvoir améliorer mes armes. Alors, ouais, je pense qu'on va d'abord améliorer le pompe, parce que pour l'instant, j'ai pas du tout boosté. Putain, ça coûte tellement cher, par contre, c'est ouf. Puissance. On va augmenter la puissance. Un instant, je vous prie. Je pense que c'est important. 9000 pour la puissance du fusil de précision, cadence de tir, rechargement, capacité. Le bazar du grenier. Alors, étant sensible, élément pour un fusil augmente grandement la cadence de tir. Ça peut être pas mal, mais est-ce que c'est pour mon fusil d'ailleurs? Obtenir de la marchandise est plus important. Ah oui, c'est pour celui-là. Ah, ça pourrait augmenter la cadence de tir, mais honnêtement, je prends mon temps. Hein. C'est tellement précieux, les balles, que ça vaut pas le coup, je pense. Surtout que... Ouais, non, ça vaut pas le coup. Donc là, j'améliorerai un petit peu peut-être le fusil F2, non? Ou encore le pistolet, plutôt, parce qu'on l'utilise beaucoup. Non, ouais, je vais augmenter la capacité. Je vais augmenter la capacité. Je me demande s'il faudrait pas quand même focus sur la puissance au début. Hein. Je me demande. Rechargement, capacité... Ouais... Je vais peut-être économiser, là, pour ensuite... Ouais, je vais économiser pour améliorer ensuite la puissance de mon fusil de haute précision et éventuellement améliorer encore le gun, quoi. Quoique le gun, attendez, il reste plus qu'un niveau? 14 de tir? Est-ce qu'il y a un niveau 3 après? Attends, je vais voir. Un instant, je vous prie. Donc là, j'améliore à fond ce gun. Et il n'y a pas de niveau 3, donc là, il est à fond celui-là. Ok. On pourrait pas plus l'améliorer. Il a plus 30 en puissance, plus 6 en capacité et tout. Très bien. Bon, il reste 4430. Ouais, ouais, ouais. Bon, allez, j'améliorerai le rechargement. Allez, allez, c'est bon. Hein. Voilà, j'améliore mes armes. J'ai envie de dépenser sans compter, écoutez. C'est ce qu'un vieil ami. Très, très bien. On va save, hein. Tant qu'on y est. On save et ensuite on remonte. Tiens, bah je vais save sur la troisième. C'est pas un souci. Tiens, je vais faire une save également sur la quatrième. Par sécurité. Et on est reparti. Alors maintenant, le hall des anges. Voilà, je voulais voir si effectivement on pouvait placer nos masques. Ah putain, mais c'est vrai qu'il y a l'affreuse là. Où est-ce que tu es? Où es-tu? Ça fout une pression. Ouais, je pense qu'on verra ça plus tard en fait. Hein, parce que là, si on est poursuivi tout le long... Ça va être un peu casse-bonbon. Alors attends, je re-rentre dans la safe room. Là, je me sens bien au moins. Voilà. On va aller où maintenant? Ah oui, il y a un crochet là-haut. D'accord, très bien. Donc je pense qu'on va y aller. Hein. Juste à côté de la chambre à coucher. Ou alors, il y en avait un aussi vers l'opéra. Mais surtout, ce que je voudrais, c'est retourner au niveau moins 1. Parce que regardez ici, nous avons... Hop! La clé en fer forgé, on a un accès pour débloquer le trésor. Il me semble que la carte au trésor indiquait effectivement ce lieu. Par contre, il faut que je retrouve effectivement comment on y... Ah, il me semble que c'est via la chambre d'en haut. Si je dis pas de conneries. Donc on va y aller, hein. Tu vois? Non. Te voile. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout ce que je voulais. Calme-toi. Oh, comme je t'ai contourné. Magnifique. Attends, je vais de ce côté. Là, c'est pour ressortir, remarque. Je me trompe peut-être, non? Attends, là, on va où déjà? Attends, il y a des monstres, là? Mais non! T'es sérieux? Alors, attends. Je me dirige pas du tout où il faut, je crois. Hein. Je me dirige pas du tout où il faut, mais si je vais vers l'opéra, c'est pas si mal en fait. Ah, mais si, via les cellules, on doit y avoir accès. Si, si. J'ai rien dit. Normalement, si je passe par là, je devrais avoir un accès au trésor pas loin. Je dis bien normalement. Hein. Ah, mais du coup, il y a des monstres qui ont pop. Ça, c'est emmerdant par contre. Eh oui, la clé est juste là, regarde. C'est bien ici que je voulais aller. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des... What the fuck? Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des affreux. Ah ouais, d'accord. Pas terrible. Pas terrible du tout. Ah, mais je récupère de l'argent, moi. Ah, calme-toi, bijou. C'est pas prévu au programme. Pas du tout. Merci pour le pognon. Ça soulage un peu quand même. Que je vienne pas ici pour rien, quoi. Je pense que c'est les protecteurs du trésor. À tous les coups. Ya! Je remonte, hein.
Je remonte, je vise et je tire. Bon, c'était pas une mine ou une bombe là à la limite. Ok. Tenons notre temps. C'est bon. Ok, 450 lei de la ferraille. Lui il est quand même moins généreux. Bah tu me diras, les ressources c'est quand même important pour toujours confectionner. Oh, attends, mais je dis, j'ai récupéré 700 lei à chaque fois. Putain, bien. Ça monte vite hein, maintenant j'ai l'impression. En même temps, les améliorations elles coûtent de plus en plus cher. Hein. Maintenant on a la clé, regardez. Ah oui, puis comme ça la zone était en rouge, on va pouvoir la mettre bleue, je pense. Alors, c'est la clé en fer forgé. Voilà. Déverrouillé. C'est ça le trésor. Va falloir mettre le feu sûrement. Je vois des trucs. Munition pour pistolet, merci, nickel. Donc qu'est-ce qu'on a par là? Encore des munitions. Putain, ça vaut le coup hein. Donc le feu, on peut le mettre. Faut pas casser de ce côté? Ouais, si, il y a un truc de l'autre côté, attends. Est-ce que faudrait pas foutre un coup de tatane dedans? Je sais pas trop. C'est intéressant. Attends, essaye de balancer ça dedans. Non, faut pas le péter. Alors, le feu est là, on est d'accord. Est-ce qu'il faut pas quelque chose, remarque, pour le faire exploser? Ah, le problème, c'est que j'ai pas de bombe. Oh, à tous les coups, faut une bombe. Pardon, c'est nerveux. Équipé. Allez. Boum. Bien, voilà. J'avais peur, je me suis dit, je pourrais peut-être pas le faire. J'ai allumé, c'est bon? Ah non. Et si on tirait dessus? Bon, je vais quand même pas essayer de pas bouffer une munition, quoi. Y'a pas quelque chose derrière, d'ailleurs? Ah bah tiens, regarde. Mais oui. Mais bien sûr. Oh, un fragment. Ah bah j'ai bien fait de venir, hein. Oh là là, puis en plus, après, on a le trésor. Oh, on est gâté, hein. Génial. Bon, pas me saouler longtemps, toi. Vas-y. Ah, ça peut mieux le faire comme ça. Attendez. Essayons de bien viser. Maintenant. Non, mais t'es sérieux? C'est tellement la mouise. Oh, ça va m'énerver. Ah, c'est bon. J'utilise des munitions pour ça, quoi. Bon, c'est bon, maintenant qu'on a allumé un, l'autre, normalement... Oh, ça va m'énerver. Je comprends pas comment faire, mais... Je me demande s'il faut pas simplement faire comme ça. Ah bah voilà. Mais non, mais c'est incroyable. Fallait effectivement tirer, y avait pas le choix, je pense. Alors, j'espère que c'est une belle récompense. Hein. Qu'est-ce que tu as pour moi? Un œil. Œil azur. D'accord. Alors, est-ce que ça se vend? Est-ce que ça peut s'utiliser sur une porte ou autre? Ça se vend. Très bien. Eh bien, j'espère que ça vaut cher. Normalement, oui, hein, c'est un trésor. Allez, eh ben, je suis content. Est-ce que la zone est en bleu? Eh oui! Toute la zone est clean. Magnifique. Bien, écoutez, je peux remonter. Hein. Je peux remonter. Il nous reste autre chose dans le coin. C'est de dégustation. Non, bah, c'est pas mal. C'est vraiment ce que je voulais faire en ce début de vidéo. Puis maintenant, on va pouvoir continuer. Le crochet également, qu'il faudra penser à utiliser. Bon, au pire, ça, je pourrais m'en servir pour la suite du jeu. Donc, on va pas s'embêter avec ça. Mais là, vraiment, le trésor, je voulais le récup avec vous dès le début de cette vidéo. J'allais prendre directement l'ascenseur, ce sera plus rapide. Bonjour. Vous allez bien, madame? Ah, salut. Répugnant. Je me tire. L'ascenseur, c'est de l'autre côté. Quel con. Ah! Attends, on fait le tour. On va faire finalement. Ah bah non, attends! Je vais d'abord voir ici vite fait. Attends que j'ai eu du pogne. Vous voulez acheter quelque oui, chose? Oui, s'il te plaît. Alors, 2430, qu'est-ce que je peux vendre? Ok, 1200. C'est tout? Attends, 1200 pour le trésor? Mais c'est de la merde! Incroyable! Les petits ruisseaux font de grandes c'est rivières. C'est totalement honteux! Capacité, attends, j'améliorerai un petit peu celui-là, là, hein. Cadence de tir, rechargement. Donc, du coup, je vais garder pour la puissance. Ouais, je vais garder pour la puissance. Qu'est-ce que t'achètes? C'est ce qu'il y a. J'ai hâte de voir les fruits de votre exploration. Et là, on est vraiment reparti sur le toit. Allez, on est prêt. Allez, où? Où est-ce qu'elle est, l'affreuse? Je pense que je vais remonter par là. Ah! Non! De l'autre côté. Bon, les masques, on verra après, hein. Je pense que c'est pas obligatoire pour l'instant. On s'embête pas.
On va aller prendre l'ascenseur. Dépêche-toi, s'il te plaît, dépêche-toi. Quoi ? Putain. Allez, on remonte ce coup-ci. Et j'aimerais bien utiliser un petit peu notre nouvelle arme. Le fusil de précision. On n'a pas encore bien essayé. Hein. Menu confection, tiens, attends, juste me faire quelques cartouches de pompe parce que j'en ai plus. Je vais m'en faire plusieurs d'ailleurs. Niveau soins, on est comment ? J'ai encore 2 soins, ça va. Et on a acheté la grande valise, je vous rappelle, donc on est bien. On se sent plutôt, je pense, en sécurité. Pense à recharger. Et on est parti. Alors, j'avais tué seulement une gargouille, hein, donc attention. Ça peut encore débarquer, ni vu ni connu, je t'embrouille. On va pas t'aller de ce côté. C'est joli, hein. Non ! J'ai entendu ! Oh ! Putain, ça me suit. C'est ouf. T'es mort ? Ouais. Être cristallisé. Bon, un coup de pompe, c'est pas mal, hein. Un coup de pompe, c'est plutôt efficace. On va pas se gêner. Attention, ça peut arriver de n'importe où. Hein. Alors, j'utiliserai bien mon fusil de précision. Mais, en même temps, j'ai envie de récupérer les sous-sous, donc on sait jamais si... Attention ! Ça m'encercle. Non ! Dans le coin. Punaise. Il y en a un autre, il y en a un autre. Allez hop. Ça dégage. Ouh. La ferraille. 1030 lay. Putain, ça vaut ça. Hein. Non. De l'autre côté. Petit filou. Oh, les coups de boule. Allez hop. C'est bon, j'étais assez proche. Non. C'est ce qui me semblait. Ok. Toujours pas ? Là, c'est bon, il tire la langue. C'est la preuve. 1280. Ouais, ils sont généreux, hein. Ok, bon, ça c'est fait. Je reste sur mes gardes. Il peut y en avoir d'autres. Ah bah tiens. Il en reste un là-haut. Ah, qu'est-ce qu'on a ici ? Tu vois, comme quoi on peut louper pas mal de trucs, hein. Récupérer des objets sur le toit, sur les rebords et tout. Je sors mon pont. J'en charge. Ça me stresse. Attends, j'entends à côté là. Je pense qu'il est pas loin. Ok. Oh putain, j'ai cru que j'étais tombé. Enfin, je suis tombé, mais ça va. Pas trop. Eh bien, j'ai plus de cartouches de pompe. Magnifique. Ça m'aura tout coûté. Petite saloperie. Bah, faut que j'aie de plus rester sur mon gun, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ou alors, fusil de précision. Allez. Dis-moi qu'il y a des munitions. Deux fusils sniper, ok. J'aurais préféré du pompe, encore une fois, c'est les plus rares, hein, vraiment. De tout le jeu. Bon, arme emblématique, évidemment, de... Ok, est-ce que tu peux te stabiliser un petit peu ? Nickel. Voilà, comme ça, moi, tu m'embêteras moins. J'espère juste qu'on les tue en une balle. Hein. Et voilà, le problème, c'est ça. C'est qu'on n'a pas... On n'a pas le pognon qui va avec, quand on les tue de loin. Ça, je voulais éviter. C'est un peu chiant. Je vais essayer d'aller là-haut, effectivement, pour quand même pouvoir récupérer ce qu'il a à m'offrir, mais... Pas sûr que je puisse... Voyons voir. Ah si, c'est bon. 1050 lay. Ça va alors. Oh, une tyrolienne. D'accord, on pourra aller jusque là-bas. Chouette, chouette, chouette. Munition pour pistolet. Alors je préfère quand même effectivement récupérer le trésor avant de m'engager dans un nouvel endroit parce qu'on sait jamais. Hein. On peut très bien nous emmener ailleurs et pas pouvoir continuer ensuite. Je marche sûrement par étapes. Cartouche de fusil. Ça, c'est très gentil. Ok, et là maintenant, je peux revenir là-bas. Et wouhou! Ah, c'est speed, hein! Ok, alors qu'est-ce que c'est que ça? Masque de la colère, ok, troisième masque. Il me semble qu'il en fallait 4 en tout, hein. Donc il nous en manque plus qu'un. Ah, une échelle. Ok.
Ouais. Faut que je vérifie quand même si j'avais pas déjà trois masques, mais je pense pas. Hein. Faut que je vérifie. Donc là, j'étais parti ici, j'avais rien vu de l'autre côté. Sortir du château. Ouais, mais on est d'accord que j'ai que... Masque du chagrin, de la joie, de la colère. Ah, il m'en manque un, je pense. Hein. Et logiquement, c'est toujours sur le toit. Sur les toits, ouais. Le grenier est là-bas, ok. Ouais, j'ai peut-être pas tout vu sur les toits. Hein. Je suis allé refaire un petit tour et il y avait rien de plus. J'ai vérifié que j'avais pas loupé d'objet. Mais non, que dalle. Donc là, j'ai récupéré un masque supplémentaire. Et maintenant, bah écoutez, on n'a plus qu'à redescendre, hein, finalement. Aujourd'hui, c'est épisode ascenseur. Hein. On monte, on descend, on monte, on descend. Alors maintenant qu'on a récupéré un troisième masque... Oh, regarde! Faut tirer dessus, hein. Alors attends, si je tire dessus... Voilà, ça me donne un petit fragment de cristal. Magnifique. Oh, ça fait encore du bruit. Fous les jetons. Donc, ouais, il y a sûrement un masque à récupérer ailleurs. Hein. Ça, c'est obligé. Stupide mortel! Calme-toi! Tu as beau courir! Eh ben, je me tire. Tu es condamné! De nouveau. Vite! Désolé! Je me suis trompé! Je me suis trompé d'étage! Salut! Oh, c'était chaud! On va aller faire un tour, les amis, dans la salle d'opéra. Simplement pour récupérer, pour pouvoir crocheter le meuble qu'il y avait, justement. Mais là, le souci, c'est que Dimitrescu, elle est partout, hein. Ouais, on va pouvoir crocheter ici, comme ça au moins ce sera fait. J'ai un crochet, ça tombe bien. Allez, hop, hop, hop. C'est quand tu veux. Voilà. Munition de fusil sniper. Et par contre, maintenant, faut toujours sortir du château. Mais le truc, c'est qu'il nous manque, encore une fois, il me semble. Ah, mais peut-être faut aller dans la salle du plaisir. Ah, peut-être que c'est ça, justement. Et ouais, on n'y est pas allé là-bas. Regardez, on a la clé. Salle des armures, salle du plaisir. Peut-être que c'est là qu'on va trouver le dernier masque. Vu que c'est une zone pour l'instant inexplorée, donc on va aller y faire un petit tour. La salle du plaisir, je pense que c'est là-haut parce qu'il y avait une salle qu'on n'avait pas débloquée. Je me joue encore avec moi. Oh non! Laisse-moi tranquille! S'il te plaît! Normalement, faut passer par ici dans mes souvenirs. Dépêche-toi. Donc, c'est avec quelle clé déjà? Je me souviens plus. Dimitrescu? Ouais, il me semble. Dépêche-toi! Yes! Et là, on a le masque du plaisir. C'est ce que je pensais. Attends, je me tire. Quoique, j'ai l'impression qu'on est à l'abri ici. Ah oui. Ah, mais ça vient de se fermer, c'est pour ça. Elle peut pas rentrer. D'accord. Super, munition au pistolet. Bah, je suis content du coup, on a récupéré le... Ah mais non, faut quelque chose. Bah non, j'ai juste de récupérer le masque. Ah, peut-être qu'il faudra le remettre plus tard. Va savoir. Donc là, c'est bon, on a les 4 masques. On va pouvoir les placer dans les emplacements, donc... dans le hall. Très très bien. Bague en argent. Ouh. Sûrement pour la revente. Joli mobilier. Ouais, niveau luminosité, je pense que c'est quand même un petit peu mieux pour vous. Hein. De la ferraille. Et en quoi c'est une salle du plaisir? Ouais. Donc ça c'est plutôt salle des armures, voilà. Là je comprends mieux. Cartouche de fusil. Pistolet. Merci bien. J'avais peur que mes D'accord. sœurs ne s'étouffaient avant moi. Ah, c'est pour barricader apparemment. On est mal. What? Attends. Wow, 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 wow. Laisse-moi tranquille. Attends, c'est un nouveau boss. Vite, fais pas tout ça. Attends, je crois qu'il y avait une bombe. Hein. Aïe, aïe, aïe. Je suis comment? Je suis en orange. Ok, est-ce que je survis encore là? Ah, pour l'instant, je prends pas de soins. Ah d'accord, je pense que j'ai compris. Faut faire péter le mur. À coup sûr, c'est pour ça qu'on a récupéré. Ah non, c'est même. Ah si, c'est une bombe. J'en ai récupéré 2 en plus. Tu vas mourir. T'es pété. Ça dégage. Allez hop, calme-toi. T'es foutu. Faut toujours jouer vraiment avec la lumière et le froid. Tordure. Sois maudit. Alors, on est faible. Fais le tour. Wouhou. Mais non. C'est pas vrai. Oh, j'étais bien pourtant. Allez. C'est bon? Ah non, c'est pas bon.
Ah, j'ai plus de munitions, c'est pour ça. Calme-toi. Non. Protection, bien joué. T'es mort. C'est ce qu'on va voir. Eh, costaud, d'as. De Dieu. Aïe, aïe, aïe. Tu n'échappes pas. C'est fini, oui. Tu es pas moi. Ma. Ok, c'est bon. Foutue sorcière. J'en ai fini avec toi. Et un nouveau buste. Ah, c'est vrai qu'on les tue toujours un petit peu de la même manière. Donc ouais, fallait d'abord enlever... enlever la cover et ensuite faire péter le mur. Bon, j'avoue que j'ai fait ça un petit peu au pif. Bon, pour le mur, j'ai vu qu'il y avait effectivement une... une petite fissure, je me suis dit, attends. Oh, trophée de chasse. Ça, à mon avis, ça doit valoir des sous-sous. J'ai entendu un petit mécanisme, là, ça a débloqué quelque chose, non? Ah, ici, peut-être c'était pas ouvert, je sais pas. Ouais, c'est en bleu, donc on a tout récupéré. Allez, let's go. Et donc là, on va descendre où? Ah, mais on était pas encore... Ah, mais si, je suis con. C'est de là où je viens. Bon, j'ai récupéré le masque, maintenant... oui, sauf que c'est fermé. Sauf que c'est fermé. Attends, faut mettre quelque chose. Le trophée, peut-être? Bah non, pas, non, faut remettre le masque. Sinon, on peut pas sortir. C'est ça, l'idée? Ah, mais d'accord, oh là là. Bah, comment on fait pour sortir, alors? Faut peut-être mettre un autre masque. Attends, admettons, je prends celui-là. Alors, attends, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire, justement, avec... avec un masque ou autre chose? Ou avec le trophée de chasse? Ah. Ah, ils sont malins! C'est comme le coup de l'œil qu'il fallait retirer. Crâne d'animal. Mais faut y penser, quoi. Pas toujours évident, hein. Un crâne d'animal détaché de son écusson, il y a des tenons à l'arrière. Okay. Ah, je pensais vraiment que ce serait un truc pour revendre. Un trophée de chasse doit valoir un petit peu d'argent. Bon alors attention, j'ai plus de pompe, hein. Ça c'est Kranios. Allez, maintenant le but, ça va être bien sûr d'aller mettre ces masques. Oh putain. Chaud. Putain, là il fait méga sombre de ouf, hein. Pourtant j'ai changé la luminosité, mais quand même, quoi. Waouh. Faut pas se montrer, hein. Tu ne me vois pas, tu ne me vois pas. Quoique elle m'a vu, je crois. Non. Je saurais pas vous dire. Je saurais pas vous dire si elle m'a vu ou non. Va voir ailleurs si j'y suis. Salut ma grande. Ce coup de pression. Bon allez, on y va. C'est l'heure. C'est l'heure. Juste, est-ce qu'on peut faire un petit tour ici et sauvegarder? Ce serait pas si mal. Bienvenue. J'ai sûrement quelque chose pour vous. Eh bien, on va voir ça. Jetez un coup d'œil, faites à votre guise. Alors, la bourse. Déjà, ça, je le vends. Ça, j'en ai deux. Le bus, j'en ai un. Bague en argent. Boum. Mmh. Ah, ça en fait du pogne. Et c'est vrai qu'on a récupéré un crochet aussi. Donc... Ouais, on va pouvoir améliorer la capacité, éventuellement notre arme aussi. J'ai du nouveau en stock. Indisponible. Bah tout ça c'est indisponible, hein, mon gars. Donc c'est vrai que... Ah, il y aura une nouvelle valise aussi. Ok. À la limite, je peux prendre ça, hein. Augmente la cadence de tir. Pour le fusil à pompe. Ouais, quoique, je prends le temps pour le fusil à pompe, hein. Ouais, je prends vraiment le temps. Formule des mines. Ouais, munitions. Tiens, ouais, si, je vais quand même prendre les munitions de snipe. Autre chose. Et là, j'ai amélioré mes armes. Améliore la capacité du pompe. Ça, c'est sympa. Une modification comme celle-ci ne prend qu'un instant. Et à ce niveau-là, on peut améliorer la puissance. C'est toujours très intéressant. Comme ça, on tuera les ennemis plus vite. Ok. À la prochaine. Allez, fois. Petite save. Très très bien. Et là maintenant, on va placer ces foutus masques. Dis-moi qu'elle est pas là. Alors par contre. Ok, comment on sait de quel masque il s'agit? Alors apparemment, il y a un emplacement. Tu penses pouvoir faire disparaître la lignée des Dimitrescu? Un avorton comme toi?
Alors t'es gentil, mais arrête de me foutre la pression, là il faut que je réfléchisse. Allez, maintenant ça m'a l'air un peu plus calme. Quoique, la musique est toujours présente. Personnellement, ce qui me dérange, je vous le dis, c'est que je ne sais pas où placer tel ou tel masque. Ok, elle monte. Alors, là je vois qu'il y a trois emplacements. Donc attends, quel rapport est-ce qu'on a un descriptif? Un masque de pierre trouvé au premier étage du château. Ah, ça n'a pas à voir avec les étages. Sur les toits du château. Près de la bibliothèque du château. Au sous-sol. Ah, ça a peut-être à voir avec justement le... l'étage, hein. Moins 1, 1, 2, je sais pas. Peut-être que c'est ça. Est-ce qu'on peut examiner? Ouais. Ah, mais d'accord, il y a les infos. Très bien, donc ça c'est 4. C'est derrière alors. J'ai compris. C'est lequel que j'avais inspecté qui avait 4 là? Je crois que c'est le masque du plaisir. Attends. Ouais. J'ai compris. Donc le masque du plaisir, c'est là. Ici, il y en a 2. Donc, 2, ça va être... Là, c'est 3. Masque de joie. Eh ben, c'est l'autre. C'est le chagrin. Ok. Super. Je pense que Lady va être vraiment en colère. Celui qui avait 3, c'était... Colère ou l'autre? Ouais, colère. Et enfin, le petit dernier, c'est le masque de la joie. Voilà. Et normalement, ça c'est... Non. Attends, faut laisser le temps au temps. Ah, elle s'ouvre toute seule. Je ne peux pas l'ouvrir. Je n'ai pas la permission. Eh bien, voilà. On va pouvoir quitter le château, je pense. Ferraille. Et une plante. Waouh! Ça y est, nous sommes à l'extérieur. Salut Lady! À la prochaine! Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas combattu. Ça, c'est étrange. Tiens, pareil dans ce lieu. Non, c'est tout bleu, apparemment, il n'y a rien à récupérer. Oh, un coffre! Sympa ça. Par contre, pour l'instant, on n'est toujours pas à l'extérieur du château. Hein. Ah, la fameuse dague! Eh ouais! Tu as tout gâché! Ah ouais, quand même. Marche-moi dessus, hein, je dirais rien. Ça va être tendu. Tiens, attends. Donne-moi tout ça. Ça va pas être de trop, je pense. Bouge. Où est-ce qu'elle est? Ok. Salut. Ah, je pense qu'il faut tirer sur une sorte de... sur la sorte de parasite, là. Attends. Mais arrête de tout casser, mon dieu! J'aimerais bien voir ton parasite, s'il te plaît. Ah, mais attends un peu, je suis pas prêt. Je vais louper, je crois. Et comme c'est chaud! Ah, j'ai au moins réussi à lui mettre une balle. Incroyable. Et une bastos, une. Attends. En fait, c'est super chaud avec le snipe parce que... Putain, mais c'est impossible! C'est tout le temps en mouvement! Comment tu veux faire?
parler de sauver ta fille, alors c'est bon. Ah, touché. Deux fois, ça c'est bien Wedge. Elle tombe. Bon, elle remonte très vite. Hein. Ouais, je pense que quand c'est sur le toit, c'est impossible de la toucher. Ah, d'accord, j'ai compris. Bouffe pas tes pompes, mon ami. Touché. Qu'est-ce qu'il y a? Repasse sur le snipe. Quoi? Attention, t'avais pas une petite bombe tuyau éventuellement? Une petite bombe? Non, mais je pense que je vais le garder, quoi. Oula. Je pense que je vais le garder. Touché. Ok. On y va à l'usure, hein. T'approches pas trop près, hein. Oh. Alors, pour le coup, on peut le gérer. Il est gros, il est impressionnant, mais il est gérable. Enfin, elle. On arrête de jouer à tournicotis, tournicotas. Ah, bien sûr. Bon, est-ce que tu peux t'envoler, s'il te plaît? Ça m'arrangerait. Envole-toi, voilà que je puisse sortir le snipe. De loin, c'est plus facile. Touché. Et d'une. Et deux. Et trois. Et tout rouge. Okay. Mais tu ne peux pas te cacher. Touché. Oh, les insectes, attention. Ah, de ce côté. Ah, d'accord, des deux côtés, génial. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, foutu mouche. Bon, on va se soigner, hein. Tu sais quoi, comme ça au moins, on sera rassuré. Je pense que j'ai de quoi peut-être me confectionner un autre soin en plus de ça. Oh, punaise. Elle me vient tout de suite dessus. Non mais ça ira, ça ira. Par derrière, cocotte. Enfin, elle repart. Ah d'accord, elle est là. Allez, go. Touché. Alors, heureusement que j'ai gardé... blinde de cartouches. Faut y aller à l'usure. Faut pas s'en faire. Ouh. Ah oui, quand même. Où es-tu? J'esquive, hein, si possible, parce que vraiment, elle fout de ses coups. Non! Dépêche-toi! Aïe 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 aïe! Incroyable! Touché! C'est ce qu'il faut! Allez, ma grande! Ah! Fuyez! Pauvre fou! C'est incroyable. Je sais pas si je me suis pas un peu craqué. Attention. Touché. Ben. Sacré affrontement quand même, hein. Il est trop tard. Il me faut plus de sang. Attention. Ok, bouge, j'essaie de monter. J'ai plus que 2 minutes de pompe. Et je tiens ma viande, moi, oh. Ah. Merci pour les munitions. Des câbles. Bah, elle est où? Allez, ça dégage, bordel! Oh. Ah! Faut pas rester en face, hein! Tiens! Allez!
C'est ouf! Je pense que c'est bon. Wow, c'était incroyable. Quel combat de fou! Parle pour toi, ma grande. On a vaincu Alcina Dumitrescu. Ah, franchement, c'était tellement classe cet affrontement. Waouh. Alors, fallait le faire quand même pour se faire toucher. Hein. Alors, je me suis fait un petit peu toucher une fois ou deux, je crois, mais franchement, ça va, ça se gère bien. Pas trop de pression. Mais quand même. Qu'est-ce que c'est? Une boîte à pipi? Ah. Je peux quitter cet endroit. Enfin, bocal étrange. Qui me permet de sortir. Qui est quand même sympa. Eh bien voilà, ça y est, on quitte cet endroit. Malfamé. Cherchez Rose. Bon, c'est l'objectif depuis le début. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette baraque? Dis-moi qu'il y a une sauvegarde. Ça me ferait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a? De la ferraille. Alors vous voyez, ça c'est de la tuyauterie, ce qu'on voit au fond. C'est pas un levier, c'est pas une manivelle. Ok? Hein, parce qu'on m'a dit ça au début du let's play. Non, non. C'est juste un tuyau. Ok, c'est bien une salle de sauvegarde. Eh ben voilà. Franchement, je demandais pas mieux. C'est un super affrontement. Ah, tiens, une note. J'ai fabriqué l'objet qu'on m'avait demandé. Passe par la grotte et traverse les ruines jusqu'au village. En arrivant, tu devrais voir une maison avec une cheminée rouge. Apporte-la là-bas. Apporte-le là-bas, du moins. Allez, je sauvegarde. Bim bam boum. Ok, je pense que c'est fouillé, du coup. Hein. Je vérifie. La zone est bleue. C'est parfait. Allez, maintenant à l'extérieur. Donc on a un puits. Là, on a des vieux toilettes. Attention. Méfiance. De la poudre noire. Alors, je trouve que dans le jeu, il n'y a pas trop de screamers. Franchement, ça va. Hein. Ils n'ont pas abusé. Là, il nous faudra la manivelle. Qu'on n'a pas encore trouvée. Oui. Oh, les bruits, franchement, c'est... Alors, c'est un peu toujours les mêmes, hein. Tu la reconnais bien, donc tu te dis, ouais, c'est ajouté par le jeu, il y a personne et tout, mais parfois, ça peut peut-être surprendre. Pour l'instant, ça va, ils abusent pas vraiment sur les frayeurs. Et donc, je reconfirme, ce n'est pas la manivelle, c'est vraiment la tuyauterie. Attention, hein. Alors là, on a un pont qu'il faudra descendre. Faut pas aller plus loin, hein. On est bloqué. Donc on vient de là-bas, nous. Ah, d'accord. La grotte, c'est par là. C'est fermé. Coup de boulon. Ou alors, plus rapide. Et voilà. Le tour est joué. Alors, je recharge. Je prends le temps. Est-ce que je peux prendre éventuellement une torche? Non. Bon, pire, j'ai une lampe. Une torche. Quelque chose derrière. J'aurais aimé que ce soit un coffre. Mais non, c'est un caillou. C'est de la roche. Oh, de la pascaille. Attends, on va les faire au couteau. Hein. Par là. Ouh, ça m'énerve. Allez. Je vais y arriver. Je tourne. Voilà, il suffit d'être motivé. De la belle viande. Alors, je suppose que c'est du soin. Hein. Par contre, est-ce qu'on le mange cru? Moi, en général, j'aime bien une bonne grillade. Oh, j'aurais peut-être pu avoir les deux en même temps, non? Viens par là, petit. Oui! Super. Ah, une bonne partie de pêche. Alors, fais voir, est-ce qu'on peut les consommer tout de suite? Ingrédients communs. Ah non, apparemment, on peut examiner, mais c'est tout. Poisson que l'on trouve dans la région, ingrédient commun ne peut être mangé cru. Ah, voilà. Effectivement, c'est ce que je pensais. Là, c'est bien. Là, c'est réaliste. Entendez-nous, unis ensemble dans la prière. Nous vous demandons, depuis les ténèbres infinies,
de nous guider vers nos camps. La lune de minuit s'élève portée par des ailes noires. Nous attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, gloire à Mère Miranda. Hé, hey, vous vous souvenez de moi? J'ai failli mourir dans ce château. Maintenant, dites-moi ce qui se passe ici. Comment un homme peut-il faillir à son destin? Cela mérite réflexion. Vous m'avez très bien compris. J'ai toujours pas trouvé Rose. Où est-ce que Miranda l'a emmenée? Tu arrives trop tard. Ou tu as failli arriver trop tard. L'enfant sera sacrifié. Une vie pour une vie. Mais c'est quoi ces conneries du Moyen-Âge? C'est qu'un bébé? Les emblèmes des quatre lignées ouvriront peut-être la voie que tu cherches. J'ai pas le temps là pour les énigmes. Dites-moi où est ma fille. Ce n'est une énigme que si tu ne connais pas la réponse. Attendez, ça me dit quelque chose. Hé, hey, revenez! Eh oui, je veux que ça te dise quelque chose. Vous avez reconnu, hein? C'est le logo d'Umbrella. Et donc là, on a quoi? House. Maison Dimitrescu. Maison Moreau. Avec différents logos, hein. D'ailleurs, on le voit ici, le logo d'Umbrella. Maison Heisenberg. Et la maison Beneviento. Alors, la maison Beneviento, j'en ai entendu parler. Apparemment, c'est le passage le plus flippant du jeu. Donc, j'ai hâte vraiment d'y arriver. J'ai pas vu d'image, mais... apparemment, ça a l'air chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? La clé ailée. C'est une clé qui vole, non? Alors, attends, est-ce que je peux revenir là-bas? Non. Elle a fermé, forcément. Ouais, on a quelques photos. Ah, ça c'est Mère Miranda sur la photo. Et là on peut ouvrir. La clé elle est. Bon, je vais m'équiper de nouveau. Hein. Par contre j'ai plus de munitions de pompe. Hein. Ouais. Faut que je vois si je peux m'en confectionner éventuellement. Eh bien non, il me manque du fluide chimique. Hein. C'est vrai que maintenant on peut faire également des balles de sniper. Hein. Ne l'oublions pas. Ah, un levier. C'est en activant ce levier que la grande m'avait coupé la main. Terrible souvenir. Ce qui nous a permis de vivre l'un des plus grands moments du jeu, hein. Franchement. Ouais. Ah, le coup de la pâte à fixe là. Le produit, hop, c'est tout bon. Waouh. Comme tu dis. Waouh. C'est un bon cœur. Avec le logo d'Umbrella. On peut l'ouvrir? Ça semble familier. Bah oui. Ah, il faut quelque chose, hein. Avec le bocal, peut-être? Non. Bon, je pense que pour l'instant, on peut pas l'ouvrir, hein. C'est comment? Lieu de cérémonie. Ouais. On fait un peu le tour. Oh, ça fume là-bas. Une usine. Je sais qu'il y aura une usine dans le jeu, hein. Je pense que c'est là-bas. D'accord. Eh bien, écoutez, on avance. Charmant. Ça sent l'ennemi, ici. Attends, je vais d'abord aller là-bas, hein, parce qu'à mon avis, tu vas tout droit. On va te sauter dessus. Ok, fusil sniper. Nickel. C'est beau, hein. Et j'ai bien fait d'augmenter la luminosité, hein, vraiment. Je suis bien content. Oula, tu l'as vu, hein. Avec sa lampe torche, là. Ok, lui est mort. Oula là. 2, 3. Laisse-moi recharger, hein. Ça va envoyer. J'en ai un, ça, je crois. Vu que je suis pas sûr. Ah oui, c'est vrai qu'on peut zoomer. Et... touché, par contre pas mort, attention. Je l'ai eu en plein air, je crois, non? Je suis pas sûr. Non. Ouh, le headshot! Attention! Recule! Pompe! J'ai plus de munitions, c'est vrai. Attends. Ok, bien joué. On s'en sort. Alors là, je reçois des pièces détachées. Très bien. Fluide chimique.
C'était ce qui me manquait pour confectionner les munitions de pompe. Parfait. Sinon j'ai combien de soins, attends? Ah, j'en ai plus qu'un. Et il me reste une bombe, hein. Faut pas oublier. Ah, et d'ailleurs j'ai un crochet que j'ai pas utilisé du coup dans le château. Ça c'est con. Alors est-ce qu'il va me servir pour après? Attention, je l'ai vu monter lui, hein. Par contre il m'a pas vu, on va en profiter. Allez, fais dodo. Alors, on peut effectivement, on l'a vu, hein, j'en ai tué un en lui tirant dans la tête, on peut effectivement faire un headshot et c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Et là pareil, je peux encore confectionner des munitions de pompe, je vais pas me gêner. Allez, tu recharges. Y'a rien ici. J'ai pas l'impression. Bon ça va, ils sont pas trop chiants à tuer. C'est vrai qu'au début ils avaient peur, mais là maintenant... Ah mais pareil, il nous faut la manivelle là. Eh ouais. Donc il nous faudra la manivelle pour les puits et pour faire descendre le pont. Ce qui veut dire qu'on l'aura bientôt en théorie. Je dis bien en théorie. Attention. Salut. Non. C'est fini, oui. Ouais. Parfait. Je me fais pas des munitions de pompe pour rien. C'est pas innocent. Alors à quoi ça va me servir ces pièces d'ailleurs là? Ah mais je suis bête, c'est pour la confection sûrement. Ferraille. Ouais, pour l'instant on n'a pas besoin des pièces détachées pour fabriquer ce dont on a débloqué. Mais on verra pour la suite. Hein. Ah, petit coffre. C'est pas avec cette clé, alors avec laquelle? Est-ce que c'est marqué d'ailleurs? Pas marqué apparemment. Fer forgé, non, mais je pense qu'on n'a pas encore la clé. Hein. Dimitrescu? Non, ce serait étonnant. Ce sera donc une nouvelle clé. Ok, je ressors le pompe. Est-ce qu'on a bien fait le tour là? Ici, je suis allé voir ou pas? Non. J'aurais loupé de la ferraille. Bon, ça aurait pas été une affaire d'état, mais bon. C'est quand même mieux de tout récupérer. Oh, on arrive dans le village. De nouveau. Par contre, cet endroit, on l'avait jamais vu. Hein. Vous voilà. Je me doutais que vous passeriez par ici. Ça servit à rien. Vraiment? Je suis sûr que vous avez récupéré quelque chose de précieux. Je sais pas ce que ça vaut, mais... Eh bien, c'est votre fille que vous tenez entre vos mains. Qu'est-ce que vous dites? Regardez de plus près. Ce bocal semble contenir sa tête. Non. Non. C'est... Rose et... Putain, fermez-la! C'est impossible. Je crois pas. L'esprit de votre fille est toujours intact. Ses pouvoirs sont vraiment uniques. Qui ferait une chose pareille? Elle peut être sauvée, vous savez. Sauvée? De ça? Mais vous êtes malade. Il y a une maison avec une cheminée rouge dans la partie ouest de ce village. Allez trouver l'homme qui y habite. Nous pourrons alors poursuivre cette conversation. Non, si vous savez quelque chose, dites-le maintenant! Vous n'êtes pas obligé de me croire, bien sûr. Mais avez-vous d'autres options? C'est vous qui voyez. Le client a toujours raison, après tout. J'espère pour vous que c'est pas des conneries. Putain de guignol. J'aurais pas dit mieux. Trouver la maison
à la cheminée rouge. Très bien. Eh bien, écoutez, on verra ça la prochaine fois. Je vais d'abord voir... Bienvenue, à la Ethan. Boutique. Bienvenue, merci. Si on peut récupérer quelque J'ai chose... J'ai du nouveau en stock. What the fuck? 25 000? Ah ouais, mais attends, c'est les restes de la grande, ça, non? À la fois élégante et terrifiante. C'est ça. Alors, poissons. Ah, on peut les vendre? Peut-être manger cru. Est-ce que je les garde? Parce que du coup, si on peut les faire cuire... Ouais, allez, vends-les. De toute façon, je me ferai du soin. C'est pas grave. Boum. Le crochet, oh, on verra s'il nous servira plus tard. 30 000 belle, putain, c'est énorme. Même dans la mort. Ce tour de taille, oui. Ah. Et maintenant, on peut effectivement améliorer niveau 3. C'est ce que je pensais. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là? On a de nouvelles choses, hein. Lunettes grossissantes pour le fusil F2. Augmente le grossissement de la lunette de visée. Appui-joue. Élément pour un fusil sniper. Ça serait bien. Allez. Réduit les tremblements. Attache-moi ça. Nickel. Comme ça, on visera beaucoup plus facilement. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mine. Non, ça j'achète pas. Détente sensible. Augmente grandement la cadence. Ça, je m'en servirai pas. Par contre, le grossissement de la lunette, ça peut être intéressant. Hein, pour vous aider vraiment de loin. La bombe tuyau. Ouais. Et 30 000 pour une nouvelle valise. Ok. Attends, je vais booster un petit peu, hein, justement, le fusil. Rechargement, capacité. Ouais, capacité. Ça, au moins, sera plus simple. Et le reste, c'est pour l'instant, je le garde de côté. Revenez quand vous voulez. Très bien. Eh bien, écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure Resident Evil Village. Et enfin, mine de rien, il y a un lien avec les racines de la série, hein, avec le logo Umbrella qu'on a aperçu. Pour l'instant, ça reste assez vague, assez mystérieux, mais franchement, c'est plutôt sympa et j'espère qu'on aura plus d'infos là-dessus et que ça aura vraiment une importance dans la suite du scénario. Sur ce, merci à tous, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, pensez à vous abonner, à très bientôt, ciao ciao.